Et bonjour tout le monde, salut Fred Salut Très heureux de vous retrouver, bienvenue en Chine, 14e grand prix de la saison, coucou à ceux qui nous rejoignent sur YouTube, coucou à ceux qui sont là et toujours bien là sur Twitch. Très heureux de vous retrouver, calif en 18 minutes, aujourd'hui q 1 q 2 q 3 13 pilotes au programme de ces califes et de ce grand prix. Calif en 18 minutes, puis on aura en la course à 50%. Le retour de Todd, vous ne rêvez pas Voilà, pour ceux qui connaissent bien la Ligue Asgarienne, Todd, le champion de la saison 2, nous fait le plaisir de, de revenir. et devrait revenir un peu plus régulièrement d'après ce qu'il a pu nous dire. Euh, Brutalizer et Todd, donc chez Alpha Nikos Nico sera là, chez Red Bull, il n'est pas encore sorti. Volcanox et Sunny, sont là chez Alpine. On a Isdran et Nextox chez euh, Mercedes. Ninja en forme, hein. en forme, c'est en ces courses-ci. Ninja toujours avec Benny chez Ferrari. Et Morgul est là, évidemment on a Nakazuma et Padawan chez McLaren. Le temps couvert, mais pas de pluie. Ça devrait donc bien se passer, en tout cas, euh, on espère. Euh, en tout cas, au niveau de la météo, on espère qu'on va vivre peut-être un peu moins de dinguerie qu'au début du Grand Prix de Monza. Euh, C'est ce qu'on espère, c'était quand, quand, quand même assez, assez incroyable hein, ce qu'on qu 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 a pu vivre. Euh, le classement des pilotes, on le voit ici, Nakazuma, Nextox, 31 points, victoire de Nextox au dernier Grand Prix. Nakazuma défaillant malgré lui, hein. il, faut, il faut quand même euh, le, le reconnaître. Nakazuma, a... c'était pas trop de son fait, hein, de... Voilà, il a souffert, il a essayé de réduire, euh, en tout cas, rédu... voilà, euh, de sauver les meubles comme il a pu. Mais du coup, 31 points entre Nextox et Nakazuma, et Nico eh bien, est relégué euh, derrière avec 47 points. D'écart, on a ensuite Sunny, Benish, Padawan. Belle. Il y a une vraie compétition entre ces trois-là, 120, 113 et 103 points. Puis Volcanox Ninja, génial qu'on suivra. Adibou n'est pas là, Poussman non plus. Isdran, 11 e il peut prendre des points aussi pour euh, recoller au top 10. Et puis on aura Brutalizer. Tot n'est pas dans le classement. Euh, Morgue les Z sont là aussi, vous pouvez le voir. On adresse un salut amical à Nori et The cocheur, qui ne sont pas avec nous ce soir, mais qui nous regardent très certainement. Et puis, euh, et puis à Senjinoum qui n'est pas très très loin. Aussi. Du côté des constructeurs, c'est un peu plus clair. Euh, McLaren bien en avance devant euh, Mercedes. Et sorry pour, euh, pour le ban temporaire. C'est automatique. Euh, The Coacher, faudrait retirer ça d'ailleurs à l'occasion. Mais merci, The Coacher. Vous êtes là. Jean-Gar est là aussi. Mac McLaren, Mercedes, 100 points d'écart. Red Bull à 70 points de Mercedes. Euh, il tient bien la barre, Nico. Et puis Alpine, Ferrari, Aston Martin, Williams, As, Alfa Romeo et Alfa Tauri. Pour la petite histoire, les points. Ce ne sont que des points, c'est pour le plaisir de mettre un peu de, de suspense pendant les lives, mais on est là avant tout pour le plaisir de jouer. Actuellement, on a Nextox, Padawan, Isdran, Ninja. On va suivre Suni, qui a fait le meilleur secteur 1, mais pas le meilleur que secteur 2. On va donc suivre son temps actuellement. Euh, je regarde un petit peu. Tot fait le quatrième temps, Benish le troisième. Le, euh, Nakazuma a récupéré le secteur 1. Ouais, Nakazuma a récupéré le secteur 1, on va aller le voir après. Il y a des points à prendre et chaque point peut compter. Alors, est-ce que Nakazuma est en danger en championnat C'est la question qu'on se pose évidemment. Mais tout va dépendre du résultat de ce soir. 14e course, il en reste 6 après. Franchement, il faudrait quand même un concours de circonstances assez énorme qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. Il faudrait que Nakazuma s'effondre un peu à chaque course. Que Nexox gagne toutes les courses. Et franchement, c'est pas près d'arriver. Uh, Suini deuxième GG à lui. Nakazuma va qui venait de nous dire que Nicole allait nous exploser en qualif. Allait exploser tout le monde en qualif. On va voir maintenant ce que Nakazuma va faire. Et C'est pour le Nakazuma qui est les deux meilleurs secteurs. Donc, uh... Donc voilà. Merci pour la prédiction qui sera huitième de la qualification. C'est Killing qui gère ça. Merci Killing. Merci beaucoup pour ta présence. Merci au Modo qui, qui m'aide à gérer tout ça. Très cordialement on laisse passer et Nakazuma va prendre la pole, sauf euh, sauf sauf rien du tout non jamais non il a il Je a fait, fait un secteur 2 de... qui était pas qui était euh... pas dingue euh... secteur 3 un ah, secteur 3 pardon qui était pas dingue ouais, ouais effectivement donc on sait pas trop on va suivre Unicom euh, oui, parce... et donc Nextox Nakazuma s'unit tot 6 alors tot pour les Asgériens qui l'ont connu à euh... Bah évidemment il est très fort. Après il, il découvre F-23 là ou presque. En tout cas il redécouvre F-23, ça fait longtemps qu'il a plus couru. Donc euh, Donc bah, pff, il est talentueux, performant mais... Euh... Je sais pas dire vous attendez pas à sa victoire euh, aujourd'hui, mais presque. Bon, sauf il... Et... il se tous devant. Euh... Et, et c'est dingue parce que il a, ça a suscité de l'inquiétude son, 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 son retour. <laughs> il est fort, tot <laughs> oh, je sais pas, c'était des, pas, des anciennes pas. saisons. C'est hein, des rumeurs, hein, c'est de <laughs> des rumeurs évidemment. On va suivre le temps de Nico, on va suivre le temps de Nico avec grand plaisir. Euh, les secteurs les plus rapides, Nakazuma, Nakazuma, Nextox Est-ce que Nakazuma est de nouveau dans un tour rapide ou pas euh... Non, il est jaune jaune là, donc. Euh... Jaune jaune, ok d'accord. Ouais. Alors Nico se laisse un peu d'espace par rapport euh... par rapport à personne. Il est parti Nico. Ouais, Nico il est parti. Ouais, on va le suivre avec le HUD d'ailleurs. Mettre un plaisir de le suivre. Alors ce, ce circuit de la ch de Chine moi je l'adore Je trouve que le S au début là il est vraiment génial C'est vraiment... Aïe euh... aïe 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 Et Nico bien... Alors Nico il a 4 litres de fuel Donc Nico abandonne son tour enfin, Pour une fois qu'on voulait le voir en tour rapide hein, voilà Donc pas de tour pour Nico Et actuellement bon, on a personne d'autre en piste On a Morgul mais Morgul il va rentrer Morgul septième temps Donc Nextox Nakazuma s'unit euh, alors 7, 10, 7, non 7, euh, 7 centièmes de Nextox donc Nakazuma. Il peut le faire, euh, à moins que le secteur, alors le secteur 3 c'est une grande ligne droite. Hein. Euh, donc est-ce que la, la Mercedes est plus rapide Je sais pas. Est-ce que Nakazuma a relâché <laughs> Qu'il a été gêné aussi. J'ai vu qu'il y avait une Mercedes qu'il avait laissé passer. Ça peut peut-être jouer. Hein, on sait jamais. C'est des circuits où on partir deuxième que premier, hein. Ouais. En fonction du virage en face, euh, par rapport à la grille, euh, mais des fois c'est plus avantageux d'être plus avantageux à être deuxième. Je sais pas si c'est le cas, hein, du tout là, mais. C'est marrant de prendre cette, euh, je sais pas combien de kilomètres heure, il, il est là, il est à 160 km heure vers son temps je pense qu'il économise son carburant mais à 1,5 c'est mort euh, moi je vois 2,8 ah oui, 2,7 ouais, litres de carburant il aura peut de carburant On Nico de parti on a Nakazuma qui de en tour de sortie on peut de voir on peut le voir aussi. On a qui va commencer un tour va commencer Que Ninja améliore son propre temps aussi. Sûrement était gêné euh, Ninja. Meilleur temps pour Nico, 23-8. <méris> Meilleur secteur 1. Oui, oui. Il est bon, Nico. 27, 1 Il est bon. Ninja améliore bien aussi. Volcanox améliore le secteur 1. Mais qu'est-ce qu'il est Il est bon, Nico. Il va aller prendre la pole. Est-ce qu'il améliore vraiment bien. C'est 3 dixièmes. Il y a eu de la frustration après le, le Grand Prix euh, d'Italie, euh, enfin de, de Monza, entre euh, de la part de. De Nico et Nakazuma, en tout cas, euh, on peut le comprendre au euh, chef de, de Nakazuma. Facilité, c'est déconcertant. Oui, après, chacun à sa place. Et oui, 7 dixièmes. 7 dixièmes, c'est un, un ovni. Hein. C'est vrai que là, quand on voit ça, on se dit c'est un ovni. GG à toi, Nico. Il faudra pas beaucoup de tours avant qu'il fasse perdre le DRS. Euh... Au deuxième hein. Ah ouais. 7 10 Parce que ça je veux bien qu'on push pour un tour rapide là. Après, il va falloir garder évidemment le... Euh, garder le rythme. Brutaliser qui nous argent en dernière minute, il est malade. Mais merci d'être là. Vol Volcanox 7 e On l'a vu. Volcanox, il y a... Marqué pas mal de points dans l'historique de la saison Asgarienne, euh, des, des, des saisons Asgariennes euh, en Chine, enfin, des, des Grands Prix de l'Asgari euh, en Chine. On en parlera en course. Un bout à 10h, une 30, 30, 34 8. Pas mal. Bon, là, je pense que quand on voit un conno pareil à cette 10e, je ne dis pas qu'on n'a pas envie de ressortir, mais on se dit ah euh... si voilà, c'est bon, quoi. Alors, je... La phrase de The Coacher est intéressante. C'est d'une facilité, c'est déconcertant, c'est vrai, mais euh, n'ayez pas en tant que pilote, je vais dire. Euh, enfin, je sais pas, voilà. Après, je sais pas quel esprit vous anime, etc. Et, et quelle ambition euh, vous anime en, en Ligue Asgarienne, jouer pour le plaisir. Vraiment, c'est vraiment important de jouer pour, pour le plaisir et de se rappeler qu'on est là uniquement pour ça. Après, évidemment, oui, c'est, on peut, on peut reconnaître le talent, la facilité. Alors, la facilité, je ne sais pas. Nico pourrait nous en parler, mais c'est vrai que ça a l'air tellement simple quand on les voit, donc euh, voilà quoi. Et Nakazuma dit impossible à suivre ce C'est vrai qu'un tel écart on l'a jamais vu, Un tel écart on l'a jamais vu. Hein. Écart, jamais vu. Euh, je sais pas d'où il le sort. Euh, je sais pas, alors que Swin est en train d'améliorer son temps, est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Nakazuma? Le setup peut-être au petit clip. Ouais. C'est possible. Après, ils sont sur des setup e sport euh, d'après ce que j'ai compris. Euh, euh, pas Nextox, mais en tout cas, du côté de Nikon. Et cause moi, je sais que ça suit beaucoup tout ça. Alors, il n'y a, a rien de négatif. Et Sunny rentre. Suni rentre alors qu'il qu amélioré? Euh, Tot, son tour va être. Euh, non, c'est Isdran. On a Z qui améliore. On a Z qui améliore. On va aller le voir. 24-8, 28-3. Il est améliore bien ses temps. Il faudrait que je montre, du coup, ici, au niveau de la différence. Ah il est en train de passer devant Métaliseur. Franchement dans tous les secteurs euh, petit euh, quoi C'est déjà beaucoup d'efforts c'est pas à la portée n'importe qui, ils sont juste très bons. Oui oui voilà, après ça fait longtemps qu'ils sont aussi en F1, ça fait euh, évidemment, voilà, après il y, y, y a un talent de base peut-être et des efforts et tout. Euh... C'est clair. Z12ème. Z12ème, on va aller voir Padawan en tour de sortie. Benich aussi. Refait un tour de sortie. Il est plus à l'avance. On a Ninja en autre lap aussi. Ça sera le premier à, à relancer là. Ninja peut aller chercher Volcanox ou pas Ah oui, c'est dixième dans le secteur 3 Ninja, je pense qu'il euh, y a moyen d'y a. La... Il peut aller chercher... Enfin il y a certainement moyen de rattraper Volcanox dans le secteur 3. Ah, cette immense ligne droite, elle est, elle est exceptionnelle. comment Nakazuma va réagir aussi. C'était encore une fois, et je le dis très clairement, voilà, c'est les faits de course qui ont fait qu'il n'a pas pu performer comme il le souhaitait à Monza. Ça veut pas dire qu'il aurait gagné s'il n'y euh, si, si avait pas, pas eu les incidents qu'il y a eu en début de course. Mais c'est la première fois que Nakazuma se retrouve au milieu de tout ça et est un peu vic clairement victime. pénalité, des points, euh, tout, euh, tout ça. Euh, voilà, ce les choses qui arrivent. Hein, ça s'est vu dans, dans toutes les saisons, donc je, 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 je n'accable personne. Il faut voir aussi comment il va gérer ça. Voilà. Parce que c'est vrai que quand on arrive à passer entre les gouttes, à avoir de la chance et, et à et, je dire, être bon, hein, je dire, il n'y a pas que la chance loin de là. Il euh, faut voir un peu quand tout ça nous tombe sur la tête. Il y a Nico euh, qui est a envie d'en découdre. On a Nextox qui évidemment joue le championnat aussi. On a Sunny là maintenant qui est là aussi. Comment Nakazuma va gérer toute cette pression Bon, euh, c'est un habitué des, des, des euh, ligues F1, etc. Donc je, je n'en doute pas que... Euh, j'ai peu de doute sur sa capacité à, à gérer ça, mais, mais voilà, il faut voir quand même. On va essayer de voir alors que Ninja n'améliore pas du tout. Euh, 24-9. Ouais, ouais il, a vraiment, euh, il est vraiment loin. On va aller voir Benish 26-0, il n'améliore pas du tout non plus. On n'a pas Dawan qui améliore lui. 23-9. Peut-il aller chercher Sweeney Ça va être la question alors que les 4 premiers sont en tour de sortie. Ouais, c'est vrai, Wilfan. La course et ses aléas. Et s'il n'y avait pas tous ces aléas, il n'y aurait pas de course. C'est très clairement. Il n'y aurait pas de plaisir. Moi je suis désolé, moi je maintiens, ça, je sais que ça fait bondir les gens, etc. Mais c'est parce que vous, tous les pilotes profitent à un moment du malheur des autres, enfin du malheur de, des effets de course en fait. Voilà. Alors que Padawan améliore bien, 27-4, 23-9. Enfin améliore bien, pas les cherches finis, on va voir le secteur 3. Et en tant que commentateur, on, on attend en fait. En tant que viewer on attend aussi ça. Ces rebondissements-là et ces rebondissements se créent toujours par des faits de course. Et, euh, et voilà. Alors Padawan. Eh non. Il passe pas. Il ne passe pas. Alors on a, on a Nico qui est, qui est le premier. Nico n'améliore pas du tout. Alors que Nakazuma est en train d'améliorer son temps 23.9 27.3, il va est-ce qu'il va aller chercher Nextox Pour le moment, oh, pour le moment, ça ne joue rien. On va voir le secteur 3 23 917, 27 27.3. Pour le moment, il est devant Nextox. Ah, c'est clair, oui, C'est dans le secteur 3 qui perd énormément. C'est dans le secteur 3 qui perd énormément. Allez, Nakazuma, il passe devant. Il passe pas devant. Il passe ah, devant pas, il pas devant. Exact. Et Nico, Nico, Nico! C'est pas très grave, il a fait son temps. <laughs> ok, Nico a fait son temps. Il vient d'abandonner la session. Un crash peut-être. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu Nico abandonner la session. On va on va regarder Sweeney parce que Sweeney est en train de faire un beau temps. On ira voir Nextox juste après. -ce que le... Mais la passe devant Nextox. Oui, la passe devant Nextox. je J'avais pas vu. J'étais euh... voilà, j'étais troublé par ce qui passait passé, mais je... euh... Euh... la Kazuma devant Nextox. On aurait eu des okay. dégâts. D'accord. Ok. Ouais. Ok. C'est vrai. C'est pas c'est pas un crash. Tout va très bien. Je lui abandonné et Sweeney passe devant Nextox passe devant Naka et Nextox, mais du coup on va aller voir Nextox, qui est en train d'améliorer. Nextox est en 24-04-27-3. Est-ce qu'il va pouvoir aller chercher Nakazuma dans le secteur 3 Nextox n'arrive pas à être régulier euh, en course sur ce circuit. Et ils sont pas si loin que ça, 3 dixièmes, 5 dixièmes, Nakazuma n'est pas sur le podium, pour le Nakazuma n'est pas sur le podium, Nakazuma perd des points. C'est Nico qui en engrange 3, mais Lexos en engrange 2, Sweeney en engrange 1. Depuis combien de temps Nakazuma n'est plus parti en tête d'un Grand Prix Salut Rumzer. Après il y a une différence entre la régularité et en course, et le fait de faire un temps rapide. Nakazuma, j'arrive à rien. Il vient de décrire ça. Il vient de décrire ça en stream, donc... Euh, on... Ouais, effectivement. Euh... Ce serait pas la femme de Nakazuma. Cacage oh. mental, point d'interrogation Ouais, <laughs> ah ouais. Il est vulnérable. On en rajoute un peu à Naka, tu nous pardonneras. Oui. <laughs> on a fait ça avec tous les champions. Parce que vraiment, voilà, on a énormément de respect pour euh, les performances de chacun, quels qu'ils soient. Nextox du coup 252 points et Nicolas Paul, GG à lui 206 points. Il reprend un petit point sur Nextox et Suni euh, prend, prend, prend aussi un point de plus. C'est quand la dernière fois que Nakazuma a été quatrième sur la grille de départ, il faudrait aller. Il faudrait Je, rep... raison, mais... Je pense que ça n'est jamais euh, arrivé. Mais ça c'est le problème Absolument. des champions. C'est le problème des champions en fait, c'est que dès qu'ils ont une contre-performance, tout le monde en parle. Quand t'es premier, tu peux pas faire mieux, quoi. Même ce qui est compliqué, parce que ça, on en avait déjà parlé avec Nexox, avec Thoth, à l'époque. Tout le monde, tout Tu peux rien faire. Saïd Nori n'est pas là ce soir, elle nous regarde en stream, et sûrement, elle nous fait un petit coucou, en tout cas, si elle ne nous regarde pas, on lui fait quand même un petit coucou, elle est passée tout à l'heure. Mais donc... Donc, voilà. Et bien, hâte de voir la course. Allez, c'est parti pour le tour de formation. On regarde les strates. Medium, medium. Pour Niki Nexttox enfin pour Nico Nextox. fini en hard. Nakazuma sera en medium. Padawan cinquième en medium, quatrième et cinquième de McLaren. Sixième Benish en medium. Pourquoi Sweeney n'a pas la même. Ouais. De hein. ouais. ouais. toute façon, Sweeney, il sait qu'il va, qu va spin. Et il partira en soft pour faire le tour le plus rapide. On sait comment ça va, Sweeney. Oui, c'est vrai. <laughs> Valkanox, Ninja, en hard. Ninja, 8 e Benish, 6 e Thoth et 9 T'as presque oublié, Thoth, c'est fou. Morgul, 10 e 11 e Isdran, Z et puis Brutalizer. Enfin, on va être quoi Sur Medium Hard ou du Hard Medium je pense pas que les soft soient de sortie. J'y connais rien. Si vous avez certaines informations, n'hésitez pas. On va regarder. Je t'en prie, c'est fini. <laughs> ah oui, tot, Oui, Tot, ça passe pas, ça ça passe pas en prédiction, uh, Killing. Ça passe pas. Je suis en train d'essayer de fouiller sur le site de la F1 Asgarienne. Euh, la dernière fois que Naka est parti quatrième. Et je vous jure. Alors je suis pas là pour l'enfoncer, mais c'est vrai que Naka va devoir apprendre à gérer ça par contre. Clairement, c'est vrai qu'on le voit vite dans euh, les réactions. Nakazuma est parti quatrième aux états unis En Texas. C'était Nextox uni ah oui. Nico Nakazuma. Et Nextox avait gagné la course, et Nakazuma a fini quatrième. Il était parti en Arabie saoudite quatrième aussi, il avait gagné la course. Comme quoi, ne l'enterrons pas trop vite. C'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé, c'est déjà bien, bien arrivé. On sait que la quatrième place entre Nakazuma et Nextox ça arrive tellement, 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 tellement. Donc, euh, voilà. Le Formation Lap est terminé. Ils sont 13, il n'en restera plus que 13 à la fin. Romzer, Rum, je te réponds après. On va commenter le départ avec grand plaisir. Et puis je te réponds après avec grand plaisir. Mais je pense que oui. Allez, c'est parti pour le départ. L'excellent départ de, de Nakazuma, j'ai l'impression. Et de Nextox, ou pas... on Regarde ici un petit peu ce qui se passe. Le S, euh, ça peut faire mal attention. Suni qui euh, attaque bien Nextox. Et Nakazuma doit, va essayer de passer aussi. C'est intéressant. Nexox était parti deuxième, hein, je pense. Ouais, Nexox est parti deuxième. Suni est arrivé à, pa à passer, mais Nexox va réattaquer Suni juste là. Après, Suni, il a des hards ah, et Nexox n'arrive pas là. Nexox n'arrive pas. Il va se, re se retrouver avec la pression de Nakazuma derrière. Padawan et béni et Nico, il est parti. Nico, il est parti. Clairement, ça, ça sent bon pour sa course. Il va s'envoler. Hein. Il va s'envoler avec, euh, avec les temps qu'il fait. Il est à 37. Point pour 31 4 pour euh, Nico est très bon sur ce circuit, vraiment Nico est vraiment très 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 bon. Un extraterrestre et un alien, comme ils aiment s'appeler le spin dot... wow. oh, de tot? Bah, lui, il a... euh, euh, Non, il y, ouais, y a un problème, de... De... De tot, de tot, de tot, ok. D'accord, d'accord, d'accord. Il a, bah, a failli avoir contact, mais il s'est transformé en fantôme juste avant. Mais ça s'est joué à euh... 2 mm. Nakazuma qui, qui tente. Nakazuma qui tente sur Nextox ou qui tente de se montrer en tout cas. Nakazuma qui va, qui va passer même. Attention, deux médiums. Nakazuma n'est pas passé d'ailleurs. On va rester sur cette bagarre, elle est importante. Suini, attention, avertissement. Nico, une 40.2. Déjà une seconde 6 de Suini. Nico, il est parti. On se revoit pour l'interview. Ou pas <laughs> Attends il peut encore se passer des choses C'est vrai il peut toujours <laughs> se passer des choses Il peut toujours se passer des choses On va se mettre euh, ici du côté de Steam Padawan one, Nakazuma, ouais. Nextox On a vraiment le groupe, on a Nico et puis après Derrière on a Suni, Nextox, Nakazuma et Padawan Suni deuxième d'une course pas mal aussi Le secteur 1 Nico c'est 25 25 secondes 25.3, euh, Nextox tourne en 25 aussi hein. ouais, Donc faut pas trop vite euh, Non plus enterrer la course voilà. Et Padawan meilleur secteur hein, 24.9 Va être intéressant ce petit train-train là. Et puis on a Benish Volcanox, Morgul, Isdran, Zed, Brutalizer, Ninja et Tot. Oula Padawan Attention Padawan et Nakazuma qui tente sur Nextox là. J'ai l'impression que ou c'est... Ouais se rapproche de Padawan. Donc une McLaren Out. Enfin Out en tout cas de, de ce groupe-là. Euh, ouais. Et là de toute manière sur ces longues, grandes ligne droite ça va finir par passer. Il n'y a pas encore le DRS activé. Mais très clairement, Nextox du coup, quatrième attention à Morgul. C'est logique. Après, Nakazuma se sentait pas super bien sur la course d'après ce qu'il disait. Euh, on va voir un petit peu maintenant ce que ça va donner ici derrière. Nikon 35, DRS activé. Je regarde les secteurs de Nico. Euh... Ça va. Encore. Sweeney est en hard. Hein. Donc c'est normal que à un moment ça passe pour Nakazuma et pour Nextox. Pas ah, ouais, du meilleur secteur. Hein. <laughs> ouais. Prédiction en cours qui sera troisième de, de la course. Ça, c'est sur Twitch. Padawan ici. 2 secondes 2 de Nextox. Benich est ici à 1 seconde 1 de Padawan. Morgul 7ème. C'est pas mal aussi ça. Il y a déjà un avertissement. Volcanox est ici 8ème de la course actuellement. Puis on a Brutalizer aux prises avec Ninja juste là. Un dixième. Attention secteur 2, il y a Virtual Safety Car et Morgul est haute. Yeah. Morgul est haute, Alors safety... Virtual safety car. On est au troisième tour avec Nico, Suni, Nakazuma et Nexox. Attention à ces Virtual Safety Car. Et Morgul, abandon de Morgul. C'est dommage pour toi mon cher Morgul. Et je ne sais pas ce qui s'est passé par contre j'ai rien vu. Courage à toi. Et donc on part sur Virtual Safety Car, ça Il va falloir bien gérer la relance de la Virtual Safety Car. Attention, au Drive Slow et tout ça. On sait qu'à chaque fois ça peut être un peu problématique. On a Padawan et Benish, Volcanox, Brutalizer, Ninja, Ils sont bien aussi ici. Et puis Zdran, Tot et Z, juste derrière. Une seconde neuf entre Suni et Nico. Et derrière, ça se tient. Et donc Romser, est-ce que ça peut marcher à des livrets personnalisés Ah j'en ai aucune idée, je. Oui, pourquoi ça ne marcherait pas en fait Au pire, les écuries apparaissent. Ouh là là Ouh là là. On est bien d'accord du drive-through. Nico qui s'espine Ah ouais, ouais mais qu'est-ce qu'il a fait Nico C'est une catastrophe. Ah, ah, ça plus le drive sous, ça va faire mal. <laughs> Suni, Naka Nextox, en tête. Fin de la safety car. Suini en tête de la course. C'est un impressionnant. Je vais juste, on va rester juste un peu ici sur Nico. Qui doit l'avoir hyper mauvaise et comme quoi, on a beau être le plus rapide. On n'est jamais à l'abri. Jamais, jamais, jamais à l'abri. Mais oui ça marchera, Romza. Ça marchera. Donc moi ce que j'utilise c'est le HUDF-1 TV. Il uh, suffit de taper ça dans Google, tu trouveras assez facilement le lien. Et voilà. Alors qu'il y a une bagarre entre Ninja et Brutalizer, mais on va aller suivre le Drive -throw. Oh là là, Nico, il n'y a plus rien qui va là. Et Nakazuma Resider. Il est passé euh, devant Sfini. Ou Sfini problème Ou pas Sfini problème. C'est incroyable, cette course, c'est béni, je passe troisième du coup. La course sera une belle remontada, peut-être pour Sweeney, peut-être je ne sais pas, Nico, du coup. Mais Nico fait que passer. Et donc on a Nakazuma Nexox en tête. On est dans. C'est la folie. C'est la folie. Moi je ne sais plus où donner de la caméra. <laughs> euh... Il passe plein de choses. On va suivre un peu Sweeney, voir un peu ce qu'il va faire après, après son spin. On a la voiture numéro 13 qui est au stand, mais ça c'est normal, c'est Morgul. Est-ce que Nextox va pouvoir suivre Nakazuma Est-ce que Nakazuma va avoir course tranquille le en fait Il est encore dans les dans, dans la seconde, donc. Euh... Tu sais, où je vais la mettre la caméra fan pardon. <rire> <rire> ah, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Et donc on a ici Nextox et Nakazuma en tête. Si on avait un, un doute sur la capacité de, de, de Nico à... à remonter à. Enfin, si on se posait la question de savoir si Nico allait remonter à la deuxième place du classement général une fois, on y a cru à un certain moment, on a cru que c'était peut-être possible, moi j'y avais pensé. Là ça va être compliqué, quoi. Il n'y a pas de souci, Morgul, ça peut arriver. Allez tout le monde, oui, allez tout le monde, ouais. Bon combat entre Benish et Padawan aussi. Bon combat entre Benish et Padawan. Juste derrière. Et Sunni est là. Sunni, il faut quitter le coup mentalement. Si tu m'entends, je te le dis. Sunni, tiens le coup. Ce sont des choses qui arrivent. Quelle que soit la raison de ce qui vous arrive. Ce n'est le coup. Ce n'est qu'un jeu. C'est une bataille intense. C'est clair. Mais tout ça n'est qu'un jeu. Et puis, il peut se passer tellement de choses. Regardez-moi ça, Padawan avec, euh, avec Benish. Et Sweeney du coup va essayer d'en profiter, Belle Bagarre derrière aussi. Puis Volcanox, Ninja, Brutalizer, Tot. Nico est en médium, mais les médiums de Nico, ils ont 5 tours aussi. Hein. Nico n'a pas fait d'arrêt. Nico n'a pas fait d'arrêt. Hein. Oh, puis Sweeney il tient quand même à batailler avec ses hards. Hein. Ouais ouais ouais. Il tient bien. Ça va, hein. Il tient bien. Le problème, c'est qu'il a autant d'usure que, euh, que Padawan. Mais euh... <laughs> On va regarder ici. Il va y avoir le DRS. Regardez-moi ça, Padawan. Qui dépasse Benish. Tout naturellement, c'est logique. Vu la configuration ici, Sweeney va tenter ou pas Non, il pourra pas. Là. Il pourra pas, ça va être compliqué. L'écart reste stable entre Nextox et Nakazuma. Aussi. Belle bagarre, euh, en tout cas, Faut ces trois-là. Et Nico vient de passer Tot. Nico la Tada. Ça commence, Nico. Allez, hein. Là aussi, rien n'est dramatique. Une safety car et tout peut être relancé aussi. Enfin, on n'espère pas, bien sûr, on est pour personne. Mais rien n'est dramatique alors que. Une... Tot réapprend le jeu aussi. C'est pas simple. Et j'en avais parlé, hein, du drive J'en ai parlé, hein. J'en ai vraiment parlé. Les temps de, de Nextox et de, et de Nakazuma, j'essaie de voir un peu là, sont, elles sont assez semblables, assez similaires. Donc euh, bah, on va assister à une belle course jusqu'à la fin. Padawan troisième du coup. C'est vrai qu'on en a pas. Enfin, on a vu le dépassement, mais Padawan du coup troisième. ème Tu, tu voir les. Ouais. <laughs> ah oui, ça fait combien de temps qu'il qu a fait un podium cette saison-ci, Padawan je pense pas, je sais, attendez, je vais essayer d'aller voir dans mon fichier F1. Non, il n'a pas fait de podium hein. Il y a Edibu, Bénich, Uni, Nakazuma et Nextox ont fait des podiums, donc c'est peut-être l'occasion. Alors que Nextox est à 9 dixièmes là, mais il va pouvoir avec le DRS revenir, je pense. Ah il consomme le Le RS un hein, Nextox. Il ouais, veut garder. Rare pouvoir... ouais. Ouais. Alors que faut jamais se laisser avoir en vue spectateur. Par la fumée. Ouais, ça se déclenche beaucoup. Hein. Ouais, toi, tu as il a un petit peu de mal à garder la voiture. Ça ça regarde un même peu. Badawan de... Warning, attention. Next up, ouais. moi, je l'ai entendu s'entraîner un peu tout à l'heure et me dire euh, le rythme en course, je l'ai pas. Après, voilà, une course n'est pas l'autre. Hein. Enfin, une course, une. Euh... Un tour n'est pas l'autre. Hein. Je vais rester un peu dessus là, un peu voir ce qui se passe. Benish est repassé troisième. Padawan, euh, du coup, 5 ouais, J'ai loupé ça, je veux peux pas être partout. C'est de savoir. Et là, c'est Beni troisième. C'est Sweeney qui est, est et sur ses côtes là. <laughs> Nakazuma ben finalement, quatrième. Ah il a du mal un hein, Nexox. Il a eu du mal là. Petite erreur. Hein. Et il a loupé le DRS du coup. À moins qu'il est là. Je sais pas où était la zone de, de, de détection. Petite erreur de Nexox là. Ah, encore que, je sais pas. C'est compliqué. Ouh, Naka... Que... Je sais pas, je sais pas si c'est la vue spectateur qui, qui, qui fait des siennes. Manexox va perdre le DRS. Il essaye de tout faire pour le avoir. Vous le voyez là Il l'a, il l'a, il l'a, il l'a, il l'a. Il l'a eu Il l'a eu, eu, il, il c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Ok, ouais, hein. ouais. il avait 50 que... presque dans, dans F1 Manager là. Alors que Swin est repassé 3ème en hard. Je vais aller suivre le combat. De toute façon, là, ça va être juste une bagarre de chronos. à moins qu'il y en ait un qui fasse l'erreur. Je vais aller suivre le combat ici. Euh... Benny c'est et Padawan, parce qu'il est, il est intéressant, Nico... Nico, la remontada n'est pas si simple, hein. Suni a réussi à passer Banish, ouais ouais ouais, 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 Ils sont tous avec un... Avec un ERS utilisé à fond, là. Ouais. Nextox essaye de tenir aussi, je vois, 951. Il va passer la, il va passer la seconde, à hein. Nextox, ça va être compliqué. Oh, c'est... C'est ouf Ouais, il passe la seconde, là. Est-ce qu'il va finir par perdre le DRS ou pas On va le voir dans un instant. Ah, S'il le perd, on va vite, euh, vite s'en rendre compte. Ah, ça se joue à rien Nextox. Oui, ah, oui, oui, il le perd là, il, il le perd. Donc Nakazuma sera un... Bien parti, mais après on n'est pas encore à la mi-course. Hein. Medium, donc, on bossait à peut-être souffrir, ouais. peu, ouais ouais. Secteur 1 Nextox 25 Nakazuma 25, 5, 25, 4, 28, 9, 29, 42, 5, 42, 42 7. Ils sont pas si loin que ça en termes de en termes de timing, de timer. Je trouve Nextox et Nakazuma, mais clairement, dès que tu perds le DRS sur son ad, sur ton adversaire, c'est compliqué. On a ici une belle bagarre aussi entre Ninja et, et Volcanox. 6ème et 7ème place. Vol Volcanox qui a déjà performé au Grand Prix de Chine. 3ème hein, la saison 1, 5ème la saison 2. Puis 10 e et 8ème saison 3 et 4. C'est Nexus qui l'a remporté euh, la saison passée. nos en saison 3, Tot en saison 2, nos limites en saison 1. Suini 2ème de, saison passée. Hein. Bénich 3ème il l'a fait deux podiums ici hein. déjà saison 2 et saison 4 salut ce match donc je pense qu'il y, y a de quoi voir venir Nexox maintient quand même l'écart 1 2 ça se cause pas trop il va falloir voir la stratégie au niveau des stands alors que est par se fait distancer par finir le Grand Prix de Chine, c'est le Grand Prix de la paix, remercie euh, Fred. Je l'avais dans la tête depuis tout à l'heure. Allez, le, dé, le DRS pour Padawan. Et Binisha. forcément, là, on n'a pas trop le choix. Euh, belle bataille pour le podium. Ah, ou peut-être va-t-il avoir le choix, non L'espoir de Nexo, c'est récupérer le D DRS après les stands. non il va passer les biches. Ouais, on va ici. Toujours peur de ces virages pris à deux, côte à côte comme ça. Ouais, mais il y a forcément il faut qu'il lâche parce que il, ouais, ouais. il y a vraiment pas le choix. Le Virage est tellement long, de toute façon en plus tu perds tellement de temps si, euh, si la sortie est pas bonne. Et souvenir des nouvelles de Nico qui remonte petit à petit. Mais 8 C'est pas simple. Ils ont tous des médiums et d'air dans dix tours là. La rage qu'il doit y avoir au sein de Nicole, là, la rage. On va aller voir Volcano, on va aller voir Padawan parce qu'il va pouvoir alors que... Swinny cause l'écart avec Cert pour sur Ni Nico conserve le meilleur tour ouais. Mais ça il faudra voir avec les nouveaux trains de pneus après Ce que ça va donner Swinny est pas mal hein Mais il accuse beaucoup de retard Après avec Benish derrière leur bataille ça leur fait perdre un peu de temps Oui Donc, ça recommence Benich pas Est-ce qu'il y a une safety car qui va venir relancer tout ça C'est la question aussi, hein. Faudrait enfin, qu'elle tombe là, quand même, pour les changements de pneus, quoi. Ouais. Juste là, maintenant. Donc quelqu'un ne veut pas se cacher Emreku Ah mais non, il n'est plus en course, Emreku. Ah oui, c'est vrai, on peut plus, ça. Hein. Il n'y a plus notre carte Joker. Non, c'est vrai. <laughs> on n'a pas d'Isenjinuma. Un petit. <laughs> d'imaginer les, les réactions de chacun sur le stream après. Je crois que vous pouvez déjà faire une commande de chat noir pour Nico. Bah Nico, il va s'attaquer aux deux Ferrari d'un coup. Hein. Ça va être intéressant à voir ça. ses deux prochains adversaires. Là. ok. Ah Benish. Ah Benish. C'est pas facile comme euh, circuit à certains moments. Alors avoir va voir Nico par rapport à Ninja. Cette remontada. Benish revient sur Padawan aussi. C'est intéressant de voir Benish et Padawan là aussi. Je suis désolé de vous montrer, euh, passer là-dessus, mais on va voir si le DRS est là. Nextox et Naka, ils ont le même rythme. Hein et Nextox, je dirais même qu'il revient un petit peu. Oula, qu'est-ce qui s'est passé Les stands les stands pour Next Je vois être Chrono qui, qui, qui est changé. Désolé, on va là-bas. Théard. Logique. Il n'a pas le choix. Je l'aurais tenté maintenant aussi. Il doit le faire avant. C'est bien, c'est toujours sa stratégie Next j'ai l'impression. Ah, quand j'ai vu les, 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 les chronos <laughs> changer, je me suis dit qu'il se passe un truc. Les stands. Staned. Que Nico il a encore deux arrêts à faire, alors que les autres en on ont qu'un seul à faire. Non, non, un. Je pense qu'il vous. Faut... A... Pourquoi deux Il a fait son drive sous, mais il a. Ah oui, non, il a choisi ça. Oui, oui. Un... il a ah, fait, un... fait. Il n'est pas les tout en Belgique. Il est toujours en médium, il a fait que son drive sous, mais il a encore son changement de le club. Oui, non, donc oui, il, il a, a encore un fait. arrêt à faire. Il en a encore qu'un seul. Je suis de la merde. Je ai pas deux. On va regarder si Nakazuma va rentrer au stand. Nextox, il est ressorti 5ème. On verra s'il si repasse devant Nakazuma, ça va être la question. Alors je vais juste aller voir si Nakazuma rentre ou pas parce que c'est quand même important. Qu Quatrième premier. Bon, après Nakazuma on sait qu'il a le talent pour, uh, pour remonter. Uh, bon il a pris il a bénéficié de la... ce que Nico a fait. Et il, a... il rentre pas. Il rentre pas. Il rentre pas Nakazuma. Il ne rentre pas. Et ça c'est intéressant. C'est intéressant parce que Nextox est plus rapide. Là, Nextox est plus rapide sur le secteur de 29, une Nakazuma. 28, 8. Nextox. Il euh... course Mais Nextox est rentré tôt par rapport à tout le monde. Personne ne rentre. Hein. J'ai pas l'impression de voir des gens rentrer là. Nico derrière Nextox. On ne comprend pas bien la stratégie de là. On pousse encore à 60% les pneus pour passer juste sur du, médium, sur du soft et derrière en les faisant tirer mmh. aussi. Hein. Medium, Medium, ils, ils peuvent pas. Ils sont obligés de changer de. Euh... Medium soft ou medium hard quoi. Hein. Alors attention. Tot, pénalité. pénalité pour Tot. Euh, Niko n'a pas de pénalité. Nikon hein. n'a pas de pénalité. On va arrêter de lui faire peur. Il y a toujours un problème au niveau de ces overlays là. Tot pénalité. Vitesse excessive dans les stands, j'ai l'impression. Oui, Nexox est clairement plus rapide. 25-2, 25-6. 25-2 secteur 1, 25-6 pour Nakazuma. On va voir si Nakazuma rentre après. Alors, Nakazuma. Ou est-ce qu'il tente un medium soft Non, ça va être chaud quand même. Enfin, plus il attend. Ouais, bah ouais, il va tenter le medium soft. Hein. Il n'a pas le choix. Je pense que c'est ça. Ouais. À 52, il va tirer jusqu'à 60. Il s'arrêtera à tour 16 ou 17, je pense. Petite surprise du chef. Donc Nexox a profité à fond de sa... Mais il en profite Là, c'est Nexox Enfin, vous voyez pas les temps... Euh, je peux pas vous tout vous les dire à chaque fois, mais je vois les temps secteur par secteur, je sais pas si un... Hein, si je peux montrer le, le dernier tour, là... Non, non, je peux pas. Mais c'est Nexox, pour le moment, qui, qui est, on va dire, leader virtuel euh, par rapport... Euh, par rapport au temps. On va aller voir Vol Volcanox. Volcanox, il était en hard. Et c'est des médiums. Je sais pas si les soft, on a, j ai, j ai pas les, les calculs, etc. Euh, par rapport à tout ça. Il y a deux secondes pour le moment entre les temps de Nextox et les temps de Nakazuma. So Nextox c'est plus rapide de deux secondes. Deux secondes Deux secondes. Mais on peut regarder un hein, Switch to au leader, regardez, Nextox est à 20 secondes de Nakazuma. Euh, alors ils vont tous tenter a Medium Soft moins. devant s'ils se retrouvent avec une panier de, de personnes en soft derrière, ça va être un truc euh, assez dingue. Euh, bah, dit, ça va batailler, ça va bloquer quoi. <laughs> Il va rentrer là, c'est pas possible. Oh, 55% okay. ça passe. <laughs> ah, c'est bon. <laughs> 55% Nakazuma va-t-il chausser des softs Je pense qu'il n'a pas le chou. Bah, quand même, 14 tours, aussi. 50%. Ouais, ouais. 16 tours. Ouais il, avait, ouais, il a fait 15, mais il avait le tour de sortie. Mais c'est de la folie! C'est des softs. Ouais. Nextox dans le trafic. Mais Nakazuma va sortir derrière Padawan. Et, et Nico rentre. Est-ce que Nico va tenter des softs? Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais, ouais, ouais. C'est bien les softs. Et Ninja. Il a pas osé Ninja. Il faut que Nexox parvienne à dépasser Benish. Parce que là, Nexox, il est gêné par le trafic. Je pense que ça, je vais en entendre parler. Parce que Oh Ouh, Benish Yaspin Yaspin, il t'a entendu Mais il fallait pas faire ça, Benish Pourquoi, Benish Pourquoi Oh là 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 ça, ça fait les affaires de Nico. Ah, mais tu de il était à 55% quasiment, beniche. Je pense que là, ça tenait plus. Hein. Autant, il a un gros écart entre ses avant et ses arrières. Il passe de 48% à l'avant à 54% à l'arrière. On n'aime on, on jamais voir ça. On n'aime jamais voir un, ah. un coureur spin. Enfin, est, est alors que bataille. Padawan et euh, Nakazuma se dépassent là. Donc Nakazuma va fondre sur Nextox. Ouais, il y, y a une seconde d'écart entre eux sur le secteur 2. Une seconde d'écart entre eux sur le secteur 2. Mais on va se retrouver sur une course un peu semblable à ce qu'on a vécu à chaque fois, à ce qu'on a vécu au Brésil, en fait. Parce qu'à moment les hard de Nextox sont plus performants que les soft de Nakazuma, mais ça sera lors les deux derniers tours. On va regarder ce que Sunny fait. Sunny des médiums. Pourquoi il part pas en soft Pourquoi il ne part pas en soft ouais, Je pense qu'ils ne savent pas que ça peut passer quoi. Si, Pada -pa Padawan le fait. Padawan le fait. Et donc, ne et donc on a un Nakazuma super rapide. Mais honnêtement Nakazuma... Euh... Alors je suis désolé, là pour le coup moi je vais rester sur Nakazuma. Surtout sur la fin. Il va falloir tenir. taille de nico sur padawan la qui... Kazuma, il va passer next je pense que ça en aura on aura aucun problème par rapport à ça ça va le faire juste là Alors Nexox va essayer de, de garder le DRS un maximum. Mais ça va être chaud. Hein. Euh... Et puis on advienne que pour Mais à la 5 dixièmes, regardez. Hein. Reg regardez. Ah, il y en a Kazuma Zuma 33-8. Ah bah... Alors que Nico a passé Padawan. Winnie a reparti en médium. On a Nico Padawan bénich en soft. Je suis désolé, euh, mais Nexox il, il est... il est pas ouf. Hein Avec des gens en médium, en soft derrière, lui. alors il y a quand même 17 secondes à les reprendre donc je pense que ça devrait le faire. Mais en cas de safety car, Nexox il est mal embarqué. Hein. Ça euh, on va pas se mentir. On va pas se mentir. Alors que Nico a repris le meilleur temps. On va suivre Padawan et euh, Nico. Non, il est pas ouf par rapport... Enfin, s'il y a un safety car, Stock il a derrière lui des gens en médium et en soft. Il faudra gérer les, les, les softs à la fin, donc à. Donc voilà quoi. D'après l'usure, ils finiront à 50% les softs. C'est une sur Nakazuma. Est-ce que dans sa tête, Nextox c'est pas en train de se dire ici j'allais mettre des softs je me pose vraiment la question. Sachant que Sweeney serait peut-être prenable s'il est en médium, il y aurait peut-être un petit écart. Et puis ses soft seraient beaucoup plus frais que Nico et Padawan C'est une vraie question. Ouais, est-ce qu'il repartirait devant Nico s'il prend des. Il faut qu'il des... rentre main, maintenant. Ouais. Parce que Nakazuma ah, il est même ardeur. pas. il est même pas obligé de push hein. N'est même pas obligé de poche. Je pense que Nexox a le talent pour euh, gérer Padawan, Sweeney et compagnie. Ça veut pas dire que ça serait facile, hein? Une des stratégies proposées en début de course. Ce que là, Nexox il a derrière dans 6 tours. Enfin, euh, âgé de 6 tours là Je sais pas, je suis vraiment curieux. Je poserai la question après si c'est une stratégie qui lui a effleuré l'esprit ou pas. Ou... Et je l'entends déjà me dire non, 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 j'aurais perdu trop de temps. Ou pas, je sais pas. Et s'il veut le faire, il doit le faire maintenant. Il le fait pas. Et même c'est fini, hein, euh, 15 secondes. Hein. Bon, après les pneus vont s'user. Ouais, je pense qu'il va essayer de minimiser. Hein. Il y a encore 15 secondes. Il n'y a que 8 tours à faire. Est-ce qu'il va se rabouffer 15 secondes en 8 tours Pour moi, il a la première place pour lui il, a... il... elle est perdue, mais euh, ouais. il a fait encore à... sa deuxième place, il y a quand même 15 secondes entre les deux. Donc... Euh... Faudra voir si si... Euh, J'ai l'impression qu'entre Nico et Sweeney par contre. Sweeney est... Ils sont dans le même temps alors, alors que Sweeney a des médiums fusés à 3 tours, Nico euh, 4 tours avec des softs. Parce que même entre Sunny et Nectok c'est quasiment 2 secondes d'écart le tour là. Ouais, ah, c'est... Bon, La, 7 deuxième... Tours, hein. La si... deuxième classe ouais. de, de, de Nectar... Alors après les pneus de Sunny vont s'user aussi, hein Ouais mais ça mes... va, ils vont, finir en... ils vont finir très très proche à la fin. Ouais. En théorie, dans cette tour, Swinny, il y a un next talk, ça. Enfin, deux secondes autour sur Sweeney le... roule bien aussi, hein, quand on voyait l'écart entre Nico et, euh, et Swinny, là. Sweeney a un bon rythme. Je suis en train de, de faire le tour un petit peu, parce que là, là clairement, je pense qu'il n'y a plus trop de suspense pour la course. Sauf... Incident. Mais là, ça a l'air plié, hein. J'ai l'impression que les places sont faites aussi là. Il y a plus de bataille, Ouais, euh, Franchement, y a... euh... on, va, on va dire, on s'est chier. Voilà, je le dis très franchement, on s'est chier. Mais tu nous ces petits car. Hein. <laughs> Nico, en théorie, qui devrait rattraper, rattraper Sweeney, mais mais il le fait pas. Sweeney est très bon. Sweeney est, est meilleur que Nakazuma avec ses médiums, j'ai l'impression dans un certain temps. Dixième entre Sweeney et Nico actuellement là, avec, euh, par rapport à leur dernier jour. Avec avantage pour Nico. Secteur 1, Nakazuma 25-1. Secteur 2, Nextox 25-4. Non, Secteur 1, Nextox 25-4. 24-8, Sweeney. 24-8. Il est en médium. C'est lui qu'il faut suivre. Il comptait hein. sur moi pour rester dessus. Il vise à des deuxième façon. En théorie, il peut l'avoir. Le tour restant. Hein. Mais ce rythme-là, il, il peut y pas voir la première. Hein. problème c'est que casse ouais il il amène une petite euh, il amène une petite dose annexox <laughs> 7 dixièmes plus rapide à peu près que Nakazuma. 5-6 dixièmes plus rapide que, que Nakazuma. On va rester là-dessus parce que c'est vraiment. Regardez, regardez Nico. Il prend 7 secondes avec des softs. 7 secondes. C'est un truc de fou. L'état en 25, 1, 25, 5, 24, 9. Secteur, 1, 20, secteur de 28, 7, 28, 8. 20, 28, 7, 28, 9. Pardon, 28, 6. On va regarder un peu les. J Jure des pneus. Ça a commencé à être dur pour Nakazuma. Je ne sais pas dire que c'est plié. Je ne sais pas dire que c'est plié. Je suis curieux. Je suis vraiment curieux de voir euh, ces, ces six derniers tours là. C'est peut-être Fini qu'on avait. Sweeney, son spin, il peut le regretter. Hein. Et salut euh, Jedi. Swini son spin, il peut leur Enfin, c'est pas s'il a eu un spin ou je sais plus ce qu'il est, il s'est passé un truc. Il peut le regretter. Fin de course intéressante, Sengenum. Fin de course très intéressante parce qu'on a Naka avec des softs usés à 40% à peu près, 35% on va dire. Suini dans les mêmes temps que Nakazuma à 3ème et Next en hard en plein milieu dans la plus mauvaise des positions possibles. Après là le temps évolue... Enfin si il évolue quand même, ouais, je sais pas. va devoir limiter la casse. Et ça se stabilise entre Nakazuma et Sunny. Et, et Nextox au niveau de l'ERS, il push, comme, comme on dit. Après j'ai pas l'impression que le chrono... Fred, tu m'entends ou pas Je t'entends. Ok d'accord, oui, parce qu'on a tellement une problème Discord, etc. Que... <laughs> Je, Je me entends. pose un peu la question. J'ai l'impression que les écarts... Il... il franchit pas les 10 secondes, hein, fini. J'ai l'impression que ça se stabilise un peu. Hein. Et que là peut-être... Non, l'usure des médiums, pour... pourtant... Euh, il... Les écarts descendent pas. Hein, et... Les écarts descendent... Enfin voilà, là, ils passent sous les 10 secondes. Donc je pense que le rapprochement suni Nexox, alors Sunny Naka, c'était évidemment pour troll, j'ai pas cru une seconde. J'essaie de créer du Sunny, c'est assez rare qu'on ait des écarts assez stables comme ça. Ou que ça soit aussi, aussi... aussi plié. Quoi. En tout cas, belle performance de Sunny dans cette course. C'était très bien. Et puis donc on a Nakazuma d'or, mais c'est Nakazuma qu'on va suivre un peu. Bah si parce que là, c'est softs commencent vraiment à être usés. Vraiment, vraiment, vraiment à être usés. Ah faudrait pas que ça pousse l'erreur encore, il peut baisser le régime ou les une s'il prend de l'avance, mais euh... C'est l'erreur. On va faire un peu un... comment on dit, un... une Resistory. Isdran, partie 11ème, maintenant 12 e Courage Isdran. Z. On va gagner une place, brutalizar. Il rentre dans les points tot aussi pour son retour, rentrera dans les points. Si rien ne change. Volcanox. Voilà. Les Ferrari, petite déception. Mais en même temps, ils peuvent pas. Euh, ils ont pas mal performé Benish. C'est marrant, depuis que Ninja est revenu à un bon niveau, Benish. Je sais pas. Mais... En tout cas sur cette course-ci, Benish et Ninja, plus difficile. Dommage pour eux. Benich, il y a eu un spin aussi, je pense. Padawan 5e. Ouais, Benich, il avait spin tout à l'heure. Ouais. Je sais plus si c'était Next Talk, lui ou je sais plus qui c'était... Et Nico 4e. Euh, on va dire qu'il s'en sort bien, Nico. Mais il avait course gagnée. Il aurait pu avoir course gagnée, il avait un excellent reap. Enfin, un excellent rip, il avait d'excellents chrono Et puis derrière, euh, on peut se demander un peu ce qui se passe. Sweeney, du coup, a... Euh... Le regret aussi. Cette petite erreur. Alors qu'il avait le rythme qu'il aurait pu tenir. Et la question qu'on va se poser maintenant, est-ce que... Ouais mais Nexox il a quand même des hard à 47-45%. Il a, il a un DR, un, un ERS aussi Nexox. Il fait tout pour maintenir le truc, pour y croire jusqu'au bout. C'est un battant. Nakazuma ne l'a-t-on pas entraîné enterré un peu trop vite? On les enterre toujours trop vite. Hein en se disant c'est bon, c'est pas sa course. Il s'enterre lui-même aussi, hein, quand il vient de nous dire j'arrive à rien, j'arrive à rien. On va regarder, les chronos commencent à, à s'équilibrer entre Nakazuma et Nextox. 25-4, 25-5, 28-9, 28-9. Attention, il a quand même 3 tours à faire avec des pneus usés, et qui vont s'user encore plus vite. C'est ce qu'on voit derrière, c'était Isdran, mais il y avait Nextox selon un. Secteur 3, 42, 3. Ouais, ouais. Les temps sont équilibrés maintenant entre Nakazuma et Nextox. Et c'est cette bataille-là qu'on qu va suivre. Nakazuma n'a pas le droit à l'erreur. Merci beaucoup, Malheur Moderne, pour le follow. Bienvenue en Asgari. Merci beaucoup. Là, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est Nakazuma qui a tenté le diable avec les pneus. Mais en même temps, pousser les pneus à fond, il sait le faire et c'est une stratégie là qui s'est avérée largement gagnante. À moins que. À moins que. À moins que. Je pense à chaque fois, ils font le. Ils... J'ai oublié ma phrase. <laughs> J'allais dire un truc, mais j'ai cliqué à côté, ça m'a ça killé le jeu. Enfin, ça je sais plus ce que je voulais dire. Ça. Ça, ça ne m'étonne même pas. Ça m'arrive aussi. <laughs> <bureau> meilleur, si, <rire> vous... <rire> si vous arrivez maintenant, bienvenue à vous, les gaz de Formule 1. Campri 14, Chine, je ne conduis pas, je commente. Et là, on est étonnamment, étonnamment non, c... ça arrive sur une fin de course assez posée, qui semble assez claire. Les pneus de Nakazuma sont quand même assez usés. On a du euh, 57% à peu près. Des pneus soft, Nextox en hard, pourrait-il rivaliser Ça semble très compliqué quand même. Parce que même Nextox, hein, ses pneus, ces pneus, ils sont pas neufs. Hein. Mais ils sont dans le même temps. Et Sunny ne reviendra il pas. C'était euh, il est à 10 secondes, il sera. Bah, ouais, ça ne reviendra mais, pas. Il reste ouais. deux tours. Il reste deux tours. Ah. On va avoir. On va voir une victoire euh, de Nakazuma ici, ça va lui faire du bien, ça va lui faire du bien. Petite frayeur à Monza vendredi passé. Oh, et... Donc, euh, euh... Encore des batailles derrière. On n'avait pas vu celle-là ah, Volcanoff sur Bastotte. <laughs> ouais. <rire> ah, et, et alors, Ninja, Benish, Bon, il devrait pas y avoir de bagarre entre eux je pense. C'est une bataille de R.S. qui sont là. <rire> <rire> toi il a plus rien, il a plus de jus là. Comme quoi il y a aussi de belles bagarres derrière, en plus tot et Volcanox ils se connaissent bien, ils ont longtemps ouais, volé ensemble. Cool. Je vous jure qu'on garde un oeil sur ce qui se passe en haut, mais a priori ça devrait pas bouger, et puis on a envie aussi parfois de mettre en avant un peu ceux qui sont derrière. Ça a toujours fait évident pour moi quand il y a des, des combats importants entre... Euh, ...devant... Et tu sais qu'on en a connu des très beaux com combats, mais là on va un peu profiter des, des Asgariens juste derrière. Ah, Est-ce que Volcanox va réussir à passer toi avant la voilà. fin <laughs> voilà. voilà, 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 et c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le mettre. Nextox commence à revenir. Les, Les chrono... Non, Nextox commence à revenir, mais on est à deux tours de la fin. Nico, il a des softs à 65% usés. Parce que Padawan ne peut pas en prendre. Non, il, a, il est à 13 secondes et il n'en profitera pas. Je sais plus à partir du grand, tu vas avoir des crevaisons. Ce serait fou. Bon, ça serait Imagine. Mi-tour euh, sur le dernier tour, euh, moitié, de, moitié de tour, boum. Ça serait des... complètement fou, quoi. <laughs> Nori qui dit ça me fait penser à notre course du Mexique, Volcanox, Brut et moi. On a quand même là... Euh, les les... On a quand même Nakazuma là. 65% au niveau des pneus. C'est quand même... C'est quand même un truc de fou. Hein. Mais il va gagner la course. Il va gagner la course. Nexox c'est quand même à 6 ,5 secondes 5. Hein. C'est toujours très frustrant de se dire, allez encore quelques tours et je pouvais revenir. Ouais, là, là on, là, on a les temps qui sont complètement inversés. La stratégie était la bonne. C'est marrant parce que il m'en voudra de le, de le dire, mais parlant après midi avec Nextox, ça... du coup, la stratégie, je verrai bien. Jirai au talent, un truc comme ça. Il a pas dit Jirai. au talent mais ça, ça voulait un peu dire ça. Il dit je verrai bien ce qui se fait. Et là, bah, Nakazuma va être très content d'en terminer euh, sans fausse note. Et finalement, une course n'est jamais perdue, mon cher Naka, et tu le sais bien. Nextox limite la case, deuxième, mais qu'on sait qu'au championnat, ça commence à peser lourd. Même si c'est pas mal. Suini, excellent retour aussi, euh, malgré ses difficultés en course. Il termine troisième. Et Nico, on commandera des chats noirs, Nico. Mais en Chine, on devrait trouver quelques, hein, quelques marabouts, etc. pour. Euh... Pour tout ça. J'en parle pas du Dragon. Ouais, dommage, Nico. Dommage, c'est ouais. des points faciles, entre guillemets. On, On savait limite qu'il allait gagner. Attendez 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 attendez, bon... attendez, 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 attendez. attendez. Ils, ils vont le faire là. Allez, Béniche et Ninja, je suis sur vous. <laughs> pour la télé. <laughs> et là, vous pourrez pas me dire, Asgard, tu nous as pas vus. <laughs> ouais, Ouais, à vous en tout cas, bravo, ça fait plaisir de vous voir ensemble, tout le retour Huitième Moi bon, il, il s'en contentera avec Dard' aussi Et euh, alors pénalité il, il y a rien, il y a ri. enfin je sais pas pourquoi ils se prend des pénalités, Là, ça n'a aucun sens, vous oubliez c'est les voir lap qui bug The Coucher, bravo pilote pilote, Morgul, GG. Killing, GG. Norris, GG. Benich, GG. Mrekou, GG. Bravo à Padawan aussi. Isdran et Z, ils sont passés en, on les a pas vu, on va regarder Brutalizer ici. C'était une course plutôt agréable à regarder. Morgul, désolé pour toi, pour la, pour la, pour la safety car. Sweeney, troisième, GG. Bravo. Je sais pas si, s'il y en avait qui avait prédit la, la troisième place de Sweeney. Euh, ah oui, quand même. Optic Glip. GG, ça fera des, des points pour le grand jeu de Lasgari, là. Eh bien, on va avoir l'interview de Nakazuma dans un instant. On va, je vais remercier tous les modos qui gèrent derrière et notamment pour le classement, on va vous montrer ça dans un instant aussi. On a un podium qui plus est assez classique. Nakazuma premier, qui qui va reprendre quand même. Oui, on sera pas à 40 points d'écart hein, entre les deux, mais on sera à peu près, je pense. À 35, 36 points d'écart qui maintient, qui qui nous fait penser qu'il est toujours là, qu'il est qui compte bien gagner ce championnat asgarien. Je pense que, je pense qu'il y aura pas de souci. Toi qui s'excuse pour le petit contact dans l'escargot au premier tour, oui. L'escargot, j'ai toi pour moi la le meilleur moment des volcanox. Euh, <laughs> j ai, j ai à tous... Il y avait personne à aller chercher au-dessus sauf Béniche courage. Je suis autant à blâmer que toi. Voilà, bah écoutez, voilà, c'est bien les asgariens. Toujours au top dans, dans la pré-course. En tout cas, ça fait plaisir à voir. Euh... Si on allait chercher ce cher Nakazuma, il doit être quelque part. Je vais aller le chercher. Je vais le déplacer. On va l'entendre arriver. Attends, la salle du trône est là. Nakazuma, tu nous entends Bonsoir. Oui, je vous entends. J'allais dire ça fait longtemps, mais ça serait pas gentil pour toi. Euh, GG à toi, toi parce, parce qu'il fa... il fallait le faire quand même au niveau de la stratégie medium soft en sachant que tu allais devoir tirer sur les uns et sur les autres sur, enfin, sur les deux pneus et finalement bah, ça s'est bien, je... ouais, fin. bien passé ça s'est bien passé sauf sur la fin en fait il fallait pas d'un tour de plus j'avais plus de pneus vraiment ok d'accord ça on... on se rend pas compte effectivement ça s'est vraiment joué à, à peu ouais, de choses risquer la crevaison sur des pneus avant parce oh que j'ai fait juste un tour en fait euh, de plus vite, plutôt que prévu. Parce que j'ai vu Nextox pitch, je me suis demandé euh, si j'allais pas perdre trop de temps. Donc j'ai fait un tour en, en moins. Et quand je suis arrivé avec les, les softs, à la fin, c'était à 68% à la l'avant gauche et 66% à l'avant droit. Ouais, c'est vrai que vraiment... je, vois, je voyais que ça se dégradait énormément. C'est vrai que j'ai vu ça. Tour, merde, je perds tout Mon temps sur Nextox parce que je n'osais plus freiner en fait. Je laissais vraiment la voiture aller dans les virages euh, tout doucement. Ah, ouais. Donc, nous on a l'impression que c'est pas enfin, on, on l'a dit un moment dans les commentaires. On s'est dit ok, c'est plié. Le GG n'a pour la stratégie, etc. Nextox ça tenté, et puis voilà. Mais on se rend pas compte en fait. Donc là, c'est vraiment tu es en train de, de nous dire en fait, non, c'était plus tendu que ce que les écarts laisse laisse penser quoi. C'était mieux en fait en termes de vitesse, les softs restait dans tous les cas meilleur que les hardes. C'est juste que l'usure, en fait, c'était énorme. Sur la face, c'était comme au Brésil, en fait, c'était limite, limite. Sauf que l'inverse du Brésil, on perdait pas de temps sur les hardes. Mais si on rentrait comme j'ai fait un tour plus tôt, bah, ça restait encore plus tendu. C'est dingue, c'est dingue. C'est près de la micro-stratégie. On va revenir sur toi, juste. Y'a Nico qui nous dit oh, putain je suis une chèvre, <laughs> un sidéral, un chèvre Là je confirme, il abuse parce qu'il avait la vitesse, en qualif il nous détruit, en course il était un poil plus rapide que moi normalement et je le vois en spin puis avec ADT euh... ça, ça fait tâche quoi. C'est totalement ça, voilà, Munich, Nico on a une pensée, on aime jamais voir ça, etc. Et le drive-through au niveau des, virt des virtual safety car enfin j'en ai parlé, je dis voilà, et on se demande toujours sur qui il va tomber. Et euh, bah, on est à chaque fois déçu pour la personne sur qui, sur qui ça tombe. Euh, la question que j'avais envie de te poser, poser Naka, je ne sais pas comment la, la poser, euh, mais c'est le mental. C'est vrai que bon, tu sors d'une course à Monza qui était horrible pour toi. Ça, on ne va pas se mentir. c'était c'était pas simple en termes de, de fait de course. Et puis là, les, les qualifs, tu as Nico qui, qui fait un temps d'alien, ça, c'est très clair. Et puis tu pars quatrième. Et donc, tu nous mets sur le chat, et je pense, voilà, c'est. Euh, je te troll souvent avec ça, mais je pense, voilà, c'est ton ressentiment en disant, j'arrive à rien. Et comment comment tu te dis, bon, allez, je peux quand même y arriver Parce que finalement, bon, t'as bénéficié un peu de fait de course aussi, mais c'est enfin, tu sais piloté. Tu doutes parfois Tu doutes vraiment beaucoup ou tu, 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 je, sais pas, je sais pas comment te poser oui, oui, la question. Mais... Vas-y. Bon. Je, je connais en fait mon niveau, je sais par rapport au calife, par exemple, je sais que Nico est toujours bien plus rapide que moi. Il arrive toujours à, à faire des chronos que je parviendrai jamais à faire. Mais en course, j'arrive à combler un peu l'écart avec lui. Et c'est pour ça que j'ai mis que j'arrivais pas. En fait, en course, je savais que j'allais peut-être suivre. Mais en qualif, je, je savais que c'était mort Alors déjà mercredi. Il était bien plus rapide que moi en calife. J'ai jamais compris comment il arrivait à être aussi vite. Moi sinon le mental, ça va. Parce que c'est pas la première fois au final que, que je roule. Donc, pour moi, les courses viennent l'une après l'autre. T'es quand même habitué, je veux dire aussi, en plus, ouais, enfin, je, à l'époque depuis. Depuis plus de dix ans, donc euh, l'habitude, je l'ai depuis longtemps maintenant. Exactement. Allez, tu peux nous le dire. Le championnat, c'est bon, là, non, non <laughs> Je suis pas encore sûr. Face hein. <laughs> à Nico, je dirais oui, mais avec Nextox, euh, je n'ai pas encore assez, assez d'avance sur lui pour être sûr. Bah, c'est chouette. Moi, en il tout est cas fait de en... championnat. Oui, 36 points. Bon, alors, bon, il faudrait quand même une succession d'événements qui fait qu'à chaque course, tu te plantes un peu. On va dire que tu as, tu, as, tu as ton destin en main. Euh, mais voilà, l'effet les, les, les de course, euh, on ne sait jamais. Donc là, tu as 36 points d'avance. pour euh, bon, Nico, je pense que sa troisième place, elle est assurée, à moins que Next Talk cool mais euh, c'est pas prévu. Il euh, y a cette bataille, je sais chez Padawan, qui était très intéressante à suivre et très intéressante à, à suivre aussi. Un petit mot sur Suni, il avait un bon rythme. Alors, je ne sais, sais pas si ça, tu as eu le temps de l'observer, etc. Mais avait pas j'ai l'impression qu'il n'avait pas eu un petit problème à certains moments. Je pense que enfin, c'est marrant parce qu'il avait... avait un meilleur que rythme que toi. Pourquoi... Pourquoi... J'ai pas compris pourquoi il a mis les, les hard au départ. Mm -hmm. J'ai pas compris parce qu'avec le poids de la voiture, c'est pas ah, le ouais. truc en général que tu fais en fait. Ouais. Tu mets pas des pneus de... les plus durs avec les avec sources. Parce que tu sais au final que tu dégraderas en général un petit peu plus et tu auras plus de mal déjà à avoir un gros rythme. Même s'il avait un rythme sacrément dur à, à rattraper au surtout au départ. Ce qui, ce qui est fou, c'est qu'il a euh, et c'est ce que Nico dit, euh, sur Nico rythme au début des médiums. Donc euh, après son changement de pneus, il avait un meilleur rythme. Moi, je, nous, on voyait les temps. Il avait, il, ouais. avait, il faisait des meilleurs tours que même que toi. Alors ça jouait pas à grand les, chose. Les néanmoins. hard et les médiums sont assez proches en général. Okay. C'est juste que des fois, c'est plus dur de déjà les premiers tours. Il faut réussir à les mettre en température ouais. et puis il faut réussir à, à manier la voiture avec, surtout avec le plat. Mais sinon, en termes de le chrono, ces deux types de gommes sont souvent les mêmes, déjà au Canada. Non, non mais, 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 je, parle même, même, et... oui, mais je parle même par rapport à tes soft je te jure, à voir la Rediff, etc. Sweeney, à un moment, alors bon, il n'y a pas les, les chronos, vous n'avez pas le détail des déconos que, que, euh, que nous, on a. Il était alors il distancé, Nico qui, qui était euh, en soft, enfin, euh, Nico n'arrivait pas à le, à le rattraper, alors que Sweeney était avec des médiums. si je me... Fred, c'est bien ça, je ne dis pas n'importe quoi, Fred, hein. Je, je crois ouais, ouais c'est ça, ouais, ouais, fois, ouais. ça et, pas, et, et même je des vais des... dire moi à un moment j'ai dit on va rattraper Nexox. Bon alors évidemment après l'usure des, des pneus a fait que et puis il pouvait pas garder ce rythme là euh, H24 et je me suis dit euh, bah s'il arrive un truc à Anakazuma, euh, fini il, il était pas mal quoi. Donc euh, donc voilà oui c'était un peu un peu particulier. Et Ninja qui il a strat proposé était hard medium chez moi j'ai pas je suis changé assez vite faut laisser un peu de temps avant de cliquer sur OK avant le tour départ du tour de formation les gars. OK. Ça c'est bon à savoir aussi. Euh, prochain Grand Prix de Qatar, c'est un Grand Prix qu'on connaît pas beaucoup, que moi j'ai jamais vu. T as un mot à dire dessus, euh, Nakazuma ou pas euh, C'est un circuit qui est chiant, ah. est vraiment <laughs> ennuyant en fait, parce que tu as quasiment pas de zone de freinage. Tu dois garder presque tout le temps une grosse vitesse et quand j'y ai roulé une seule fois en fait cette année avec Mali je m'endors sur ce circuit. Toutes les zones se ressemblent donc à force de tourner dessus, tu perds tous tes repères. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Je perds mes repères et je, je perds mon rythme à une vitesse folle là-dessus. Ça avez deux semaines pour vous entraîner. Donc, ça devrait le faire. Mais en tout cas, Nakazuma, GG à toi, GG, pour ta victoire. C'était quand même une course. Merci. C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit, on se chier parce que j'ai l'impression que tout était figé. Mais c'était pour rire. Et, et vraiment, euh, j'ai trouvé cette course. Enfin, c'est agréable de suivre les stratégies de pneus parce que là, ça fait. Enfin, au Brésil, les stratégies, elles ont joué aussi. On a l'impression qu'à chaque fois, ça passe à un, à un cheveu de. de... De, de voilà de, de, la, de, de la catastrophe et tu nous as expliqué que bah toi il te fallait pas un tour de plus sinon il y avait une crevaison ou je sais pas quoi voilà. et alors Zen qui dit dormez tout ça m'arrangera <laughs> c'est vrai quelqu'un pouvait pas sortir une safety car c'est que y avait une safety car ça aurait tout relancé, je pense. Et même pour Nexox ça aurait été compliqué avec ses arts, je pense. Mais voilà, ça aurait peut-être relancé, il aurait peut-être été maître d'essai, etc. Juste un mot sur le sur le classement. Donc j'ai parlé déjà des, des premiers ici. Il y a le combat Volcanox Ninja qui est pas mal aussi. Euh, Adibou, on le retrouvera très certainement il se drane, euh, allez, font un petit effort pour essayer de re rentrer dans le top 10. Brutalizer est quand même venu, c'était était, venu, c'était chouette, merci à lui. Et puis après, quand on regarde la suite du classement, euh, je sais pas ce qui a, ben toi, te rentres dans le classement 20, 20 points, je sais pas si. Alors il n'a pas pris de points, Z je pense n'a pas pris de points non plus. Euh, mais donc j'ai j'avoue au niveau des écuries, bon, McLaren, ça a priori tu peux dire que ça devrait le faire, Nakazuma. <laughs> Ah, pour Macarena oui, on a 99% de chance d'avoir le téléphone. <laughs> C'est au moins sûr avec ça. Yes, voilà. Et puis Mercedes, Red Bull, euh, la bataille euh, Next d'un côté, Nico de l'autre. Et puis il faudra suivre Alpine et Ferrari. Ça peut être sympa aussi. Pourquoi pas Voilà, pas Alpine et Red Bull, même si euh, Nico est quand même. Enfin, euh, ça, ça dépend le nombre de chats noirs qu'on a commandé pour la fin du Grand Prix, pour, pour la fin de la saison. Il reste quand même six courses. C'est vrai qu'il ne faut pas enterrer tout le monde. Aston Martin, Williams, Haas, Alfa Romeo, Alfa Touri Un encore GG, un hein, toit on va Merci. se laisser ici pour tout le monde. Le calendrier, bah, ça tombe bien, je le mets ici. Euh, on va enchaîner après, à partir du 17 mai, Qatar, Portugal, Autriche, Singapour, USA. Il euh, y aura une pause pour... Parce que le 21 juin, il y a un match de l'équipe de France à l'euro. Donc on s'est dit que là, on allait laisser les, les Français savourer leur défaite. Et puis, on terminera le 28 juin. <laughs> par <laughs> le Grand Prix de Belgique <laughs> merci tout le monde, merci à ceux qui étaient sur Youtube demain soir un si c'est possible je sais pas si, si Nexox est disponible euh, sinon ça sera autre chose merci tout le monde et puis FIFA revient aussi un peu la semaine prochaine pour l'équipe asgarienne les joueurs de F1 reposez-vous et puis euh... et puis voilà salut tout le monde et bonne nuit, bonne soirée ciao les amis, et merci Fred salut